Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Oui, dans le titre, vous voyez que j'ai craqué un petit peu en scrap. C'est pas un craquage de fou, pas comme mon craquage haul chez Sephora, Zudio, etc. Je vous remets la vidéo ici, quelque part par là, et en barre d'infos. De toute façon, vous avez juste à aller voir les dernières vidéos sur ma chaîne. Mais voilà, j'avais craqué un petit pas mal chez Zudio en scrap. Mais là, j'ai acheté d'autres petites choses. C'était un petit peu avant les soldes, donc c'est pas soldé du tout, hein, donc ne vous attendez pas. C'est pas un haul solde, c'est vraiment un haul de scrapbooking, des petits trucs voilà, que j'ai trouvé, Project Life. Donc au niveau de Project Life, c'est Jiffy, et oui, chez Jiffy, pardon. Chez Jiffy, vous pouvez trouver des petits trucs scrap, tout comme chez Casa, si vous ne le savez pas. Et chez Jiffy, j'ai trouvé des cartes de Project Life. En revanche, c'est super cher. Mais voilà, elles sont trop craquantes, alors j'ai pas pu résister. Vous en avez 40 à l'intérieur. Voici le rendu. Il y a des petites et quelques grandes. Donc elles sont vraiment très très jolies. Il y a vraiment du choix, je trouve. Et il y avait en fait 4 styles différents de paquets. Donc moi, j'en ai pris que 2 parce que ça coûte 5,99€. Donc 6€ quand même le paquet. Donc ça fait mal. J'ai réfléchi avant 2 fois avant de prendre tous les paquets. Hein. C'est pas comme chez Action. Et le deuxième, c'est comme ceci, plus dans les teintes marron, noir et blanc. Alors que l'autre, c'était plus estival. Donc voilà un petit peu le rendu. Il y a vraiment de très très jolies cartes. Donc pour cet été, je vous prépare plein de vidéos spéciales scrapbooking et Project Life où je vais enfin essayer de vous montrer ça en direct. Je n'ai pas gagné encore parce que je n'ai pas encore fait mon installation. Et pour 2,50€, donc c'est beaucoup moins cher, c'est des die-cuts comme ça, des petites découpes. Donc j'en ai pris 3 cette fois-ci, il y avait 4 lots différents, pareil. Donc un peu plus estival, un petit cœur, des petits vélos, etc. Donc des formes à découper, comme ça pré-découpées. Et Happy Birthday, hello, un petit gâteau d'anniversaire, donc c'est super mignon. Un autre avec des plumes, des papillons, des étoiles, qui est très très joli aussi, toujours dans les roses, violines, bleues. Et le dernier, toujours dans les tons noirs, un petit peu plus naturel, entre guillemets, noir, marron. Voilà, il ressemble à ça. Toujours gâteau d'anniversaire aussi. Pour des créations, ça va être top. Donc ça, c'est mon craquage chez Jiffy. Ensuite, j'ai passé une commande solde chez Dans mes pochettes. Le site, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai fait des vidéos sur du Project Life dans mes pochettes. Là-bas aussi, j'ai acheté pas mal de choses. Donc je vous remettrai mes petits hauls quelque part ici et toujours en barre d'infos. Hein. Si j'oublie de mettre dans la barre d'infos, parce que des fois ça m'arrive, n'hésitez pas à me redire gentiment en commentaire. Donc voici mon petit craquage. Donc j'ai tout ça dans une enveloppe bulle. Je vous remettrai mon lien de parrainage, puisque sur ce site, vous pouvez être parrainé. Hein, c'est écrit ici, regardez. Et vous gagnez 5€ dès votre première commande, donc ce qui est vraiment, vraiment pas mal comme offre. Je vous mettrai mon mail de parrainage et n'hésitez pas à me dire si vous voulez être parrainé et je vous rajouterai. Mais je crois qu'en mettant mon mail, vous avez directement les 5€ de réduction, donc c'est juste top. Donc voilà, c'est hyper bien emballé à chaque fois sur le site Dans mes pochettes. C'est un site que j'aime beaucoup, qui est très clair, qui est juste top. Et en plus, j'ai ma facture avec les prix que j'ai payés, donc je vais pouvoir vous dire ça simplement. Et donc ce site, voilà, je l'adore parce qu'il est hyper simple d'utilisation, il est clair et vous y trouvez pas mal de choses. Après, c'est pas aussi, il n'y a pas autant de stock, etc., que d'autres sites, mais voilà, il est super sympa. J'aime toujours le petit tampon à merci pour votre commande, c'est pas trop mignon. Donc je vous montre ma commande, hein, c'est comme un swap, c'est rigolo. J'ai un petit peu craqué pour les soldes, mais il y a des choses qui sont non soldées parce que bah voilà, j'avais envie de me les prendre. Je vous montre ça tout de suite. Dans les choses soldé, il y a des tampons Bonne Fête Papa, et d'ailleurs il y avait ceux de Bonne Fête Maman, mais ils y étaient plus quand j'ai passé ma commande en fait, parce que j'avais fait du repérage avant, et au moment de passer ma commande, et ben, ils y étaient plus, et j'étais toute triste. Moi, je voulais les Bonne Fête Maman, donc si vous savez où je peux les trouver, n'hésitez pas à me dire où je peux trouver les tampons Artemio Bonne Fête Maman. Donc là, c'est Bonne Fête Papa, et il y a écrit une journée spéciale, Bonne Fête Papa, le plus fort, j'aime Papa. Et ça coûtait 2,95€ à la base, et moi je les ai payés 1,48€. Donc je crois que c'était moins 50%, ouais, moins 50%. Donc je trouve que ça valait le coup quand même. Donc top. Est-ce que les tampons Kezia, ils étaient soldés aussi à moins 50% des tampons de la marque Kezia Art. Donc les voici avec écrit bonne année, etc. Donc c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pour la fin d'année. Mais voilà, j'avais envie de tampons pour faire des cartes de vœux. Je vais essayer de faire ça cette année. Donc au lieu de 5€,
95, je les ai eus à 2,98 euros, donc 3 euros à peu près, donc c'était moins 50%, donc c'était top. Ça valait le coup, moins 50%, moi je suis toujours contente. Un assortiment de petites cartes comme ça, pareil à moins 50%, donc c'est une sorte de petit die-cut, de petites vignettes, hein. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Ah, au lieu de 3, 2,95 euros. Donc c'est de la marque 4h37. 4h37. Je les ai payés 1,27 euros. Donc pour 1,27 euros, je trouve que ça reste raisonnable. Et un dernier truc qui était soldé aussi à moins 50%, d'ailleurs qui est ouvert un petit peu, mais c'est pas grave. Ce sont des cartes comme ça de Project Life spécial mariage. Puisque j'ai l'intention de faire un album pour moi et mon mari, et du coup bah je vais mettre quelques petites photos de notre mariage. Donc j'avais envie de les utiliser et je pense que je vais voir ce que je vais faire avec. Peut-être faire des petites créations pour des amis qui vont se marier ou qui se sont mariés. Donc au lieu de 4,95 euros, je l'ai payé 2,89 euros, pardon. Donc de la marque Snap Wedding. Donc c'est la collection Wedding. Et si vous voulez voir un peu le rendu des cartes, hein, parce que je vous montre même pas. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les autres, je ne sais pas si on les voyait. Voilà, celle-ci aussi, je ne vous ai pas montré. Donc là, un spécial mariage, ça vaut le coup à moins 50%. Donc moi, vous avez vu, j'ai pris que des choses à moins 50%. Et un truc que je voulais, et il y en avait un deuxième que je voulais, mais il n'y était plus disponible, malheureusement. Ça, c'était pas soldé, c'était à 9 euros. 9,13 euros. Donc, c'est une sorte de petit lot où vous avez, donc... Ah, c'est tout fermé. Je vais l'ouvrir pour remonter. Donc, en fait, c'est comme ça, et vous avez, en fait, plusieurs étages comme ça. De petites choses, des petites cartes. Alors vous avez des petits mots et des découpes ici de die cut. Vous avez des toutes petites cartes ici en format carré. Vous avez des cartes ici format carré mais plus grandes. Ici des cartes un peu style Project Life. Et pour finir des grandes cartes en bas. Donc je vous montre un peu le style et je trouvais le style vraiment trop trop mignon. Je trouve que ces petits lots-là à 9 euros sont très sympas. C'est une super idée cadeau d'ailleurs pour celles qui veulent faire des cadeaux pour Project Life et qui savent pas trop quoi faire. Je trouve que là c'est un lot à 10 euros, voilà moins de 10 euros. Vous avez un lot avec tout pour faire du Project Life. Donc c'est plutôt sympa et les cartes elles sont trop craquantes quoi. Regardez-moi ce donut là et tout. Ça fait trop vacances et tout, j'adore. Donc voilà pour ma commande dans mes pochettes. Donc je vous remets vraiment en barre d'infos mes liens de parrainage si vous voulez craquer parce qu'il y a encore des soldes jusqu'à moins 60% j'ai vu. Mais bon, j'ai commandé avant. Et si vous voulez 5 euros en moins, ça marche aussi je pense sur les soldes puisque c'est pour votre première commande. Donc c'est 5 euros en moins pour votre première commande. Et j'allais finir avec ma petite, mes petits achats chez Action. Hein. J'ai pas acheté grand chose mais voilà, je voulais vous les montrer puisque vous m'avez demandé en vidéo de vous en parler. Donc ça n'a rien à voir avec le scrap mais voilà. Une cochonnerie, hein, 1,59 €. J'ai pris au niveau scrap un petit bloc comme ça, un peu comment ça s'appelle déjà cette matière là? Craft, voilà. Donc style craft avec voilà, des motifs noirs, assez simple, mais voilà. J'avais envie, il me disait bien, et je crois qu'il était à 59 centimes. Donc voilà, il était plutôt sympa, très joli, tiens d'ailleurs, ça. Donc voilà, ça c'était voilà pour le scrap. J'ai pris ça pour le scrap à je sais plus 69 centimes, je crois. Mais parce que je suis plus sûre de l'avoir déjà pris. Je me rappelle plus si je l'ai pris ou pas, donc je l'ai repris. Vu que c'est un peu My Girl, etc. pour faire dans l'album de ma fille, qui va se terminer très vite. Ça, j'ai pris des petits stickers de tout et n'importe quoi pour ma fille, parce que je vais lui faire coller ça sur des petites feuilles et tout pour qu'elle s'amuse. Et j'ai pas trouvé de gommette normale. Donc j'ai pris des stickers comme ça, avec là, il y avait des bateaux, vacances, etc. Donc je pense que je vais lui mettre une petite photo d'elle en vacances et je la laisserai mettre un peu ce qu'elle veut. Partout. Et là, c'est les animaux, le chien, le chat, etc. Ouais. Ça n'est pas très cher. Je crois que ça valait 59 centimes. J'ai repris des petites découpes comme ça, toujours à 1 euro, parce que je les ai pas celles-ci. Et elles me plaisaient bien. Donc voilà. À chaque fois qu'on va à Action, on trouve des bêtises, hein, de toute façon. Et des petites découpes 3D, aussi pas très très chères. Hein, c'est toujours moins d'un euro. Voilà, des figures 3D. Des fleurs, parce que voilà, elles me disaient bien. Et des petites choses pour style bébé. Toujours pour l'album de ma fille, même si je vendais déjà 50 000, j'arrive jamais à résister. Et la dernière chose que j'ai trouvée chez Action, et que j'ai trouvé juste trop trop bien, je crois que c'était 79 centimes ou 1 euro, je sais plus exactement parce que j'ai pas le ticket, j'avais acheté plein de trucs pour mes élèves, mais que je leur ai donné pour la fin d'année, donc le ticket je l'ai gardé je sais plus où, bref. Donc j'ai acheté ça, c'est du washi tape, mais version magnétique. Et j'ai trouvé ça juste trop trop bien. J'en ai trouvé qu'un dans le rayon, sinon j'en aurais pris plusieurs. J'en ai trouvé qu'un et c'est dommage. Donc vraiment, voilà, je me suis dit, pour mettre sur le frigo, faire un petit effet, mettre des photos et un petit effet stick washi tape. Je trouvais ça trop trop original.
Donc je sais pas du tout si vous, ce que vous allez en penser, mais n'hésitez pas à me dire voilà, en commentaire si vous avez déjà vu ça, si vous en avez déjà servi ou pas. Voilà pour mes petites trouvailles scrap. Si vous aussi vous faites du scrap, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je vous ai influencé pour aller acheter des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!